Le Morpheus 8 est une radiofréquence fractionnée qui sert à traiter les vergetures, les cicatrices, le relâchement cutané, les rides et les ridules. Elle consiste à utiliser des ondes électromagnétiques pour stimuler les cellules de collagène et également les fibroblastes. Le microneedling, quant à lui, favorise la production de collagène, qui va permettre de traiter le relâchement, mais également on va jouer sur plusieurs couches du derme de la peau, ce qui va apporter un effet rajeunissant. Avec Morpheus 8, nous pouvons travailler sur le visage et le corps. Nous allons travailler le relâchement cutané, le fripé, les rides, les ridules, les vergetures, mais également les cicatrices. Ce qui distingue Morpheus 8 des autres appareils de radiofréquence, c'est sa capacité à pénétrer à 8 mm de profondeur dans la peau, ce qui permet de travailler plusieurs couches de peau. Les contre-indications du Morpheus 8 sont l'herpès, si vous êtes femme enceinte ou allaitante, ou également les tumeurs cutanées récentes. Pour obtenir un résultat optimal, il nous faut 3 séances espacées de 6 semaines. La dernière séance, donc la quatrième, sera faite au bout du 6e mois après la 3e séance pour venir peaufiner les résultats. Un léger résultat va commencer à apparaître dès la première séance, mais le résultat final, nous le retrouverons après la 3e séance, 6 mois après. Le Morpheus 8 n'est pas très agréable à recevoir. Une crème anesthésiante est nécessaire avant le début de la séance. 3 mots pour résumer le Morpheus 8. Technologie de pointe, rapidité, efficacité.